Florent Zara, bonjour. Bonjour. Vous êtes CTO de chez Enix et puis vous avez été aussi l'ancien président du Paris... Non, ce n'était pas Paris Open Source Summit, c'était... L'Open World Forum, Forum. La dernière édition avant la fusion avec Solution Linux, effectivement. Voilà. Et on va voir les deux aspects, justement. Alors, juste, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les activités, les missions de Enix ? Alors Enix est une société de services qui est là depuis 1998, donc qui est bien établie et qui s'est installée en France comme vraiment le premier pure player sur tout ce qui est la qualification, la qualité logicielle en France. Et au fur et à mesure, donc, on a développé une activité d'édition open source où on développe le logiciel Squash. Et donc on a une partie, on va dire, on est en train de développer tout doucement mais sûrement une branche vraiment édition dédiée, structurée pour faire de l'édition open source. Et que ce soit plus une branche de notre service mais une véritable branche à part entière. Une filiale Non, pas une filiale, vraiment une organisation interne où avant il y avait vraiment le service, c'était pas clair. Maintenant c'est très clair, on a la partie édition et la partie service qui reste notre métier historique, qui est de faire du service en qualité logicielle, que ce soit sur l'outil Squash que l'on développe, ou même sur d'autres outils, d'autres services, d'autres... Et on fait à la fois donc de la qualification fonctionnelle, donc ce à quoi sert cet outil aussi, mais aussi de la qualification technique d'application. Donc on va tout ce qui est sécurité applicative, qualité du code, performance, c'est des sujets qu'on adresse pour pouvoir vraiment vérifier la qualité des applications dans leur globalité. Voilà. D'accord. Vous m'aviez dit lors de notre échange que vous voulez professionnaliser justement cet aspect-là des choses. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Vous travaillez déjà avec des grands comptes. Il faut aller un cran plus loin ? Alors oui. Alors effectivement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le métier du test est vraiment un métier peu connu, où c'était le laisser pour compte. Et voilà, il fallait vraiment livrer, il y avait des grosses pressions. Et c'était souvent soit des anciens développeurs ou des anciens gens du métier qui étaient recyclés, entre guillemets, pas forcément de manière péjorative, mais dans le métier du test. Alors que derrière, le métier du test, c'est un véritable métier avec des outils, des processus, des contraintes, les fortes pressions aussi. Et donc on est vraiment là pour faire reconnaître ce métier du test, l'industrialiser, créer des filières aussi bien métier, mais aussi de formation. Enix a créé l'EQL, l'école de la qualité logicielle, en 2012. Et donc au sein de cette EQL, on a un processus de formation en reconversion de chercheurs d'emploi, souvent des gens Bac plus 4, Bac plus 5 qui sont sur des filières qui ont peu de débouchés. Et donc on leur dit, voilà, il y a un métier que vous ne connaissez pas, c'est le métier du test. Et en 3 à 4 mois, on va vous former au métier du test et on vous promet au début de votre formation un emploi. Ça, c'est top. Voilà. Vous avez formé combien de personnes comme ça ? Vous avez une idée ? Alors j'ai une bonne idée. Je dirais qu'on a par an depuis 2012, 3 à 4 promotions par an de 15 à 20 personnes. C'est voilà. Top. Donc on a, je dirais 100, on n'est pas loin de plus de 200 personnes de reconverties. Et voilà, qu'on amène dans l'informatique, c'est des filières... Pas forcément aussi que des filières techniques où c'est parfois très réservé aux hommes, du moins très réservé. Par la force des choses, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et là, on se retrouve avec avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et on a 70% de femmes dans nos filières qui sont reconverties sur ces métiers et qui donc retrouvent le chemin du travail. Bravo, bravo. Ouais, merci. Alors, juste l'année dernière, vous étiez président de l'événement. Ouais, alors juste pour terminer, on a une nouvelle session là, qui démarre en décembre, où on a encore cette fois, on a un objectif aussi pour fin d'année prochaine, avec recrutement dès décembre de 200 personnes encore de reconverties à fin 2016. Vous pouvez faire un petit récapitulatif, qu'est-ce qu'il faut pour faire cette formation ? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire cette formation ? C'est Bac plus 4, Bac plus 5. Oui, les prérequis. Les prérequis, voilà. Donc, et ensuite, on reçoit à peu près par session 600 candidatures. Il y a un premier filtre sur CV. Ensuite, sur test de logique et raisonnement. Et c'est là où les femmes sont souvent beaucoup plus fortes que les hommes. Ça fait plaisir d'entendre. Et de ce qu'on peut voir. Ensuite, il y a un jury de sélection. Et ensuite, il y a l'entreprise. Parce que comme ils ont une promesse d'embauche au démarrage, ils sont reçus par les entreprises avant. Et donc, en fait, la formation est financée un tiers par l'entreprise, un tiers par Pôle emploi, un tiers par Fafiec. D'accord. Et donc, à partir de là, à partir du moment où la personne est recrutée avant sa formation, elle a un emploi certifié si effectivement elle réussit la formation. Elle est assidue, suffit d'être assidue, bien motivée. Et généralement, il n'y a pas de souci. Ça dure 3 à 4 mois. Du moins 57 jours exactement, sur une période de 3 à 4 mois. Il y a 3 projets en même temps. Et donc, on est sur un taux de réussite de 98% de la formation. Belle initiative. Voilà. Alors, juste un petit mot quand même par rapport à l'édition l'année dernière. Donc, est-ce que vous voyez des gros changements ?
par rapport à cet événement qui réunit les deux justement manifestations? Alors le principal changement, c'est qu'effectivement on a fusionné avec l'Open World Forum, a fusionné avec Solutions Linux, ouais. Et c'est que là on a, je dirais, on peut attirer un public encore plus large. Je dirais, avant on était très autour de la communauté, en mode réflexion, conférence, et là on a maintenant aussi un public d'offreurs. Donc à la fois quand on vient sur salon, on croise vraiment toute l'économie du monde ouvert. Tout l'écosystème. Vous avez droit, vous avez à la fois le côté offreur, les gens qui proposent, le côté business, mais vous avez aussi le côté sociétal, qui est là, sociétal de l'open source. Vous avez le côté effectivement innovation, le côté recherche. Vraiment tous ces aspects-là. On ne vient pas, c'est pas qu'un salon où on vient faire du business, ou c'est pas que où on vient faire sa veille technologique. On découvre vraiment tous les aspects, et c'est peut-être le seul endroit où vous pourrez croiser des costards cravates et des gens en jean basket, voilà, dans le même lieu, et qui pourront échanger et trouver des points communs. Voilà. Et c'est fort sympathique. Voilà. Merci beaucoup Florent, merci pour cette intervention. Merci à vous, bonne journée.